merci à Dieu, car il le fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh, merci à Dieu, car il le fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci à Dieu. On y va. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia, alléluia. Celui qui nous fait triompher toujours en son nom. Oh, 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 oh. Et je chante oh, oh. Merci à Dieu. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh, merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci à Dieu. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia, alléluia. Celui qui nous fait triompher toujours en son nom. Je dis oh, 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 oh. En toutes circonstances, je chante. Proclamer ensemble, nous avons la victoire en son nom. Non, on est ensemble, nous avons la victoire. Nous avons la victoire, avec lui tout est possible, possible. Nous avons la victoire, avec lui tout est possible, tout est possible. Encore. Nous avons la victoire, avec lui tout est possible, possible. Proclame-le avec toi, nous avons la victoire. À tous ceux qui nous suivent en ligne, est-ce qu'on peut faire du bruit aujourd'hui pour notre Dieu? On va taper des mains, on va crier de joie parce que nous avons la victoire. Tu as la victoire. On y va. Je veux voir vos sourires aujourd'hui.
Même toi depuis ta maison, souris pour Dieu. Au tape des mains, peuple du Seigneur, écris vers ton Dieu. Nous avons la victoire. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort afin de nous sauver. Alors nous chantons. Est-ce qu'on réalise que Dieu est merveilleux pour nous ? Est-ce que tu réalises aujourd'hui que Dieu est tout pour toi ?
En fait, je voudrais qu'on juste ferme tes yeux, même depuis ta maison. Juste ferme tes yeux, lève tes mains vers lui et réalise. Réalise que sa mort te donne la victoire. Réalise que ce Dieu t'a tant aimé qu'il s'est donné pour toi spécifiquement. Tu es mon rocher. Tu es mon réconfort. Tu es mon appui. Tu es mon soutien. Tu es le père de ceux qui n'ont pas de père. Le frère de ceux qui n'ont pas de frère. L'ami de ceux qui sont esselés. Tu es notre rocher. Notre seul appui. Juste prenons le temps de le réaliser aujourd'hui. Mon seul abri, c'est toi. De te confier ma vie chaque jour, car je déclare que tu es le seul Dieu digne de nos louanges, tu es le seul Dieu digne d'adoration, car tu es le seul Dieu saint, Seigneur. Se prosterne avec.
C'est ma foi.
dis-lui ce simple mot d'amour. Les alléluia se reviennent de ton cœur à son cœur. Dis-lui. Les alléluia ta part. Encore une fois, de tout ton cœur, dis-lui. Les alléluia se notre Dieu qui est assis sur le trône, soit le règne, la puissance, la gloire, la louange, l'adoration, la sagesse, les honneurs, les acclamations, les cris de joie au siècle des siècles. Parce que jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse et que tout genou fléchisse devant Jésus qui est Seigneur des Seigneurs. Lui seul est digne de nos louanges. Bonjour Emelka, bonjour à toi qui me regarde, quelle joie d'être là. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Je vous assure que moi, c'est une joie pour moi d'être là le premier jour du mois d'octobre avec toi. Quelle grâce d'être en vie. Quelle grâce d'être en vie. Et j'ai une parole d'encouragement pour toi. En ce demi de mois d'octobre, je vais t'amener avec moi dans le livre de la Genèse, le chapitre 26, et à partir du premier verset. C'est une histoire peut-être que tu connais bien, mais c'est une histoire que je voudrais lire avec toi, qu'on va aller avancer ensemble. Et on lit ensemble dans la Bible. Le premier verset nous dit ceci. Il y eut une famine dans le pays. Il ne s'agit pas de celle qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Amen. L'histoire commence comme ça. Isaac est obligé de quitter son pays pour fuir la famine, comme du temps d'Abraham, son père. Mais Dieu l'arrête. Dieu lui dit, ne pars pas en Égypte comme tout le monde. Arrête-toi à Guérar. Et pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, vous savez qu'Abraham s'était arrêté aussi à Guérar. Qu'est-ce qui se passe à Guérar? Guérar est situé à la limite d'un désert. Donc à cet endroit, l'eau est rare. L'eau est une richesse, un trésor. Peut-être que toi aussi, tu as quelque chose de précieux. Et à ce moment-là, pour Isaac, c'était de l'eau. Et c'était tout bon parce que son père était passé par là avant lui et il avait creusé de puits. Et la Bible nous dit, au verset 12, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux, des petits et des gros bétails, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux. Je veux qu'on s'arrête un moment là, pour ceux qui ont déjà déménagé d'une région à une autre, d'un pays à un autre, vous savez ce que c'est. Lorsque tu quittes chez toi et que tu as tout abandonné, tout ce que tu avais de précieux, et tu t'installes quelque part, tu recommences à zéro. Et c'est ce qui se passe avec Isaac. Alors à Guérar, celui qui avait des puits devait faire valoir ses droits. C'était l'homme le plus riche. Des fois, on pouvait même mettre des cadenas sur les puits pour que les gens ne viennent pas voler de l'eau. Mais comme on l'a lu au verset 12,
les Philistins vont remplir des terres les puits que son père avait creusés avant lui. C'est presque une déclaration de guerre. Remplir des terres. L'eau dont a besoin quelqu'un, on vient remplir des terres. Et ce qui est pire à ce moment-là, c'est que Abimélec, au verset 22, Abimélec va lui dire ceci au verset 16, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Il est arrivé, il n'avait rien. Mais à ce moment-là, on lui dit, « Pars !» Qu'est-ce qui arrive lorsque tu as travaillé, lorsque tu as creusé, lorsque tu as investi de ton temps, de tes richesses, de tes forces, mais que tu dois perdre? Je crois que c'est la question qu'Isaac va se poser. Et toi, peut-être, tu te la poses aussi. Tu dis, est-ce que j'ai travaillé pour rien? Moi qui ai déménagé plusieurs fois avec ma famille, je sais ce que c'est. Lorsque tu investis dans des relations, tu es à un endroit, tu prends de l'ancrage, comme Isaac à Guérar, et que tu dois tout abandonner. Pas parce que tu le veux, mais parce que les gens sont méchants. Oui, les gens sont méchants. Et à ce moment-là, tu es appelé à perdre. Et le thème de mon message, c'est « Est-ce que j'ai travaillé pour rien ?» Il y a une maman qui est là. Il y a une femme qui est là. Tu as investi dans ton couple et aujourd'hui, ton couple est brisé. Est-ce que j'ai travaillé pour rien? Et Isaac pouvait se poser la même question. Est-ce que j'ai travaillé pour rien? Alors le premier point, ce que tu dois prendre conscience, c'est de te poser la question, est-ce que Dieu m'a fait la promesse? Est-ce que je suis au bon endroit? Ce qui se passe avec Isaac, c'est quoi? C'est que Isaac ne s'est pas trouvé à Guérar de lui-même. Il est là parce que Dieu lui a dit, reste là. Tout le monde est allé en Égypte pour s'y réfugier. Mais à lui, Dieu lui dit, reste là. Et Isaac reste là. Il est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne mission, les bonnes intentions. C'est Dieu qui lui a dit, reste là. Je t'ai bénirai dans cet endroit-là. Alors, quand tu arrives à ce moment-là, c'est compliqué. C'est pourquoi le Seigneur, la Bible dit, veilla sur lui, si bien qu'il devint très riche et très puissant. Ce n'est pas lui qui a voulu être puissant et riche, c'est Dieu qui l'a béni. Alors, je vais rappeler à quelqu'un, peut-être tu es dans la même situation qu'Isaac, c'est que, peu importe ce que tu vis, là où se trouve Dieu, là est la bénédiction. Tant que tu as Dieu avec toi, ne te soucie pas du reste, parce que Dieu te bénira. Là où est Dieu, là se trouve la bénédiction. Tant que tu sais que c'est Dieu qui t'a dit, c'est moi qui te donne cet enfant-là, c'est moi qui te donne ce couple-là, c'est moi qui t'ai mis dans ce travail-là, là où tu es, dans cette église, tu es à MLK aujourd'hui, tu es en train de te poser la question, depuis que je suis là, j'ai l'impression que rien ne marche. Mais tu as la promesse de Dieu. C'est lui qui t'a amené à MLK. Tant que Dieu est là, il te bénira. Alors, c'est que je veux te dire. Je veux t'encourager. N'essaye pas de gérer la promesse par toi-même. Dieu t'a promis, n'essaye pas de gérer la promesse par toi-même. Pourquoi? Parce que celui qui t'a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Souvent, nous, en tant qu'humains, on va vouloir gérer la bénédiction à la place de Dieu, la promesse à la place de Dieu. Et c'est ce qu'Isaac va faire. Dieu lui a parlé, Dieu lui dit, je suis avec toi, je te bénirai. Mais non, Isaac, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de te tromper. Qu'est-ce qu'Isaac fait? Il raconte aux gens, comme son père en son temps, au même endroit, que Rebecca, sa femme, c'est sa sœur. Est-ce que tu sais pourquoi il le fait, Isaac? À cause de la beauté de sa femme. Je pense à cette jeune femme que j'ai eue un jour, avec qui j'ai partagé. On a prié pour que Dieu la bénisse. Elle voulait avoir les bénédictions de Dieu. Elle voulait un mariage.
Mais ce jour-là, elle vient me voir, elle me dit, « Pasteur Joël, oh non, c'est impossible. Dieu m'a donné un homme, il est tellement beau. Il est tellement beau, mais je ne pense pas qu'il est pour moi. Il a tout, il a le travail qu'il faut, il est à l'endroit qu'il faut. » Mais elle n'arrive plus à gérer. Elle cherche par tous les moyens, ne cherche pas à gérer la bénédiction à la place des dieux. Isaac, pourquoi défends-tu ce que Dieu peut défendre? Mon frère, ma sœur, pourquoi défends-tu ce que Dieu peut défendre? Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ne défends pas ce que Dieu peut défendre. Combien d'entre nous on a commis des erreurs? Je pense à cet étudiant qui a prié pour ce domaine-là dans lequel il veut être inscrit. Parcoursup, ça a été difficile. Jusqu'au bout, tu as jeûné. Et finalement, waouh, j'ai une place. Où? À la Sorbonne. En droit. Ce que je voulais. Et quand tu y arrives, les cours sont difficiles. Tu veux aider Dieu. Tu dis, je vais des antisèches. Je vais te donner un coup de main à Dieu. Combien d'entre nous, on essaie de défendre ce que Dieu est capable de défendre? N'aide pas Dieu. N'essaye pas d'aider Dieu. Fais-lui confiance. Fais confiance à la fidélité de Dieu. Parce qu'il est capable de gérer la promesse mieux que toi. Amen. Il est capable de gérer la promesse mieux que toi. Lorsqu'on a peur, on perd les moyens, on perd le contrôle. Et on peut faire n'importe quoi facilement. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait prié pour que Dieu le bénisse, lui donne un fils. Et Dieu lui donne un fils. Mais un jour, cet enfant tombe gravement malade. Le papa n'est pas à la maison, la maman amène l'enfant à l'hôpital. Et quand il revient, on l'appelle, on lui dit, nous sommes à l'hôpital. Viens rapidement, notre enfant ne va pas bien. Et le papa, comme tout papa, il s'empresse, il sort. Et sur le chemin, il dit, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Et il arrive, il voit une voiture, un taxi qui s'arrête. Et il y a un monsieur avec un manteau noir qui se précipite et qui monte dans le taxi. Et lui, il arrive, il le tire violemment, il le sort de la voiture. Le monsieur lui dit, « Messieurs, laissez-moi, je suis pressé. » Lui aussi, il dit, « Je suis pressé. »« Messieurs, je vais à l'hôpital. » Il dit, « Moi aussi, je vais à l'hôpital. » Et puis, il fait sortir le monsieur, lui monte et il fonce. Et tu sais quoi? Il arrive à l'hôpital. 5 minutes après, l'enfant meurt. Il pleure. Mais pourquoi il n'y a pas de médecin? Et les infirmiers lui disent, le médecin n'est pas encore arrivé, il a eu du retard. Et qui il voit arriver? Le monsieur avec le manteau noir. Et il dit au monsieur, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était vous le médecin? Le monsieur dit, mais je ne savais pas. Quand on a peur, parfois on a tendance à vouloir aider Dieu. Fais confiance à Dieu. S'il t'a fait la promesse, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne te décevra pas. Fais-lui confiance. Isaac pensait peut-être qu'il allait s'enrichir en Égypte. Mais non, parce que Dieu lui avait dit, je te bénirai dans ce pays. Reste là. Dieu l'a béni et il a expérimenté le miracle de Dieu. Bien-aimé, accroche-toi aux promesses de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Ne regarde pas ce que tu vois. Isaac a eu à un moment donné les yeux de la foi parce qu'il sait qu'il avait hérité de son père. C'était la foi. Et Dieu ne l'a pas déçu. Alors j'ai une parole pour toi. Peut-être qu'il est en train de traverser la même situation qu'Isaac. Tu es en train de regarder ta vie et tu dis, est-ce que j'ai travaillé pour rien? Non, tu n'as pas travaillé pour rien. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Amen. Laisse Dieu être Dieu dans ta situation. Laisse Dieu être Dieu dans la situation de ton couple. Laisse Dieu être Dieu, toi qui es chez toi à la maison. Laisse Dieu être Dieu. Et il est Dieu. Le pasteur Paul Kazada, que j'aime, qui est notre pasteur ici à MLK, il a écrit un petit livre sur la fidélité de Dieu. Vous pouvez aller à la librairie et vous procurer ces livres. Et dans ce livre, il dit ceci, que chez Dieu,
La fidélité n'est pas une vertu, ni un idéal à atteindre. Non, mais la fidélité est un caractère, un trait de caractère immuable de Dieu. Dieu est fidèle. C'est non négociable. Il est fidèle. Il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est fidèle. C'est dans sa nature d'être fidèle. Alors s'il te l'a promis, crois-le, il est fidèle dans ses promesses. Tu ne t'es pas trompé d'adresse, tu as choisi le meilleur, c'est Dieu. Tu sais, quand les gens divorcent, pour ceux qui divorcent, ils enlèvent l'alliance pour montrer que c'est fini. Mais notre Dieu, lui, n'enlève jamais son alliance. Quand il a fait l'alliance avec toi, il est fidèle jusqu'au bout. Il a dit à tout celui qui croit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non négociable, tu es enfant de Dieu. Tu as cette identité et tu lui appartiens, c'est ton Père. Alors même dans l'adversité, Dieu sera avec toi. La Bible dit que Dieu apparut à Isaac et il lui parla. Et il y a trois vérités là-dedans qui te concernent aussi toi aujourd'hui. Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Donc le Dieu de l'Alliance. Et nous, nous sommes de la postérité d'Abraham. Toi qui es là, toi qui as choisi Christ, tu es de la descendance d'Abraham. Il est ton Dieu. Ne doute même pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne. Non, 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 non. C'est son identité. Il le rappelle à Isaac, « Je suis le Dieu d'Abraham et je suis ton Dieu. » Il ne se contente pas de s'identifier. Il renouvelle son engagement. Et Dieu renouvelle son engagement avec toi. Il est ton Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, souviens-toi qu'il est ton Dieu. Peu importe l'endroit où tu seras, il est ton Dieu. Dis-le à ton âme, « C'est mon Dieu. » Il n'est pas que le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Les dieux d'Abraham, parce qu'il a fait alliance avec toi. Les dieux d'Isaac, parce qu'il t'a fait des promesses. Il te bénira. Dieu dit à Isaac, fais-moi confiance. C'est la deuxième vérité. Ne crains rien, fais-moi confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. En cette fin d'année, depuis janvier, ça ne marche pas. Ah, ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. Il est à tes côtés. Ne crains rien. Je te bénirai, c'est la troisième vérité. Et je te multiplierai. Ça, j'aime. Il y a une femme stérile qui est là. Tu n'y crois pas, crois-le. Il va te multiplier. Il va te multiplier. Toi qui es là, tu regardes ton compte en banque, tu dis, il n'y a rien. Ah, Dieu t'a dit, il va multiplier. Le rouge là, le rouge, je suis toujours dans le découvert. Ah, Dieu dit, il va te multiplier. Et crois-le, ça c'est notre Dieu, ça c'est notre papa. Il n'a pas changé. Savez-vous quoi? Isaac a su utiliser les obstacles pour en faire des tremplins. On lui a mis, on lui a fait des crocs en jambes. Ah non, imperturbable, un gars inébranlable. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il garde ses valeurs. Il garde ses valeurs. Dans les temps difficiles, Isaac a su garder ses valeurs. Qu'est-ce que toi tu fais lorsque les gens te regardent et ils disent, non, il va fuir. Elle va abandonner de toutes les façons. Elle est lâche. Ah ouais, laisse les gens dire que tu es lâche. Mais ils ne savent pas qui est celui qui est en toi. Il y a un Dieu en toi qui fait la différence. Il y a un Dieu en toi qui peut changer les choses. J'ai la carte secrète. Hey, c'est mon Dieu. Alors toi qui me traites de lâche, tu ne me connais pas. Garde tes valeurs. Et Isaac va garder ses valeurs. La première valeur qu'il garde, c'est à Esek. Vous savez, Abimelech, il a construit, il a bâti. Je parle à quelqu'un qui a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, et on vient te chasser de ton poste. Vous savez ce que ça fait? Je parle à un pasteur, tu as construit le ministère, tu t'es mis à genoux, tu as prié pour ton église, mais on vient te chasser de l'église. C'est à toi que je suis en train de parler, toi qui pleures, n'abandonne pas. Isaac
devant les oppositions, il choisit la paix. On peut se dire, mais cet homme-là, il est incroyable. Si moi, je l'avais en entretien à MLK, je dirais, Isaac, tu as tous les signes de la dépression. Non, Isaac, tu ne vas pas creuser encore. Non. Isaac, arrête-toi. Viens en entretien et puis je vais t'envoyer chez Catherine Roger, qui est psychologue, et on va t'aider. Mais non, Isaac savait que même si on bouche avec de la terre les puits, l'eau coule encore. L'eau coule encore. Je peux aller creuser. Hey, dis à tes ennemis, vous n'avez qu'à remplir des terres. C'est une déclaration de guerre. Remplissez. Mais je sais que l'Éternel combattra pour moi. Amen. Amen. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. On n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors dis-leur, venez. Vous ne savez pas qui est de mon côté. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Je choisis la paix. Isaac choisit la paix. Au lieu de l'eau, il choisit la paix. Au lieu de l'eau, il choisit la patience. Est-ce que c'est facile? Non. Je vais vous donner mon propre exemple. Souvent, ça crée des disputes entre nous. J'ai un mari qui aime lire. Il aime les livres. Ah, si vous voulez voir quelqu'un qui aime lire, c'est lui. Alors, il y a des jours, quand je suis à la maison, il m'appelle. Il me dit, allô, j'ai juste envie d'entendre, je t'aime. Tu vois quelqu'un qui est au bureau à 11h qui te dit, je t'aime, tu te dis, ah là? Donc, au milieu de toutes les tâches, il a pensé à moi. Mais c'est pour me dire, il y a le livreur d'Amazon qui arrive, va récupérer des livres. Il y en a déjà plein. J'en ai marre du désordre. Et là, je range les livres. Je range, je mets de l'ordre comme toute femme respectable. Mais le soir, mon chéri arrive, il me dit, où est mon livre sur le management? Je dis, mais je l'ai rangé là. Mesdames, les hommes sont terribles. Au lieu juste de bouger et d'aller là où j'ai mis, il connaît son livre, c'est son livre. Et prendre, il est assis sur le canapé et il attend. Mais je lui dis, mais tu peux aller. Il me dit, tu sais quoi? C'est que toi, tu appelles des ordres. Pour moi, c'est de l'ordre. J'ai dit, mais normalement, de l'ordre, c'est lire un livre classé. Non, lui, il lit un peu et il revient. Alors, Joël choisit la paix. Comment choisir la paix dans cette situation-là? Je me rappelle que c'est parce qu'il lit les livres qu'on a de l'argent à la fin du mois. Alors ne lui complique pas la tâche, Joël accepte. Tous les jours quand il y a les livreurs Amazon, je cours. Et j'y vais, je prends. Parce que livre égale argent. Et on trouve la paix dans la maison. Et ça, c'était Isaac. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est important. Et ça ne s'arrête pas là. Il va à Sidna. Là, on lui cherche encore querelle. Les disputes, ça passe encore. Parce que là où il y a des personnes, même à l'église, il y a parfois des disputes. Parce qu'on a des compréhensions différentes, des opinions différentes. Mais les querelles, ça c'est voulu avec l'intention de nuire. Mais comment Isaac réagit? Il répond par l'amour. Il bouge, il se déplace et il va ailleurs. Est-ce que c'est donné à tout le monde de le faire? Je ne pense pas. Ça, je vais m'adresser aux hommes. Messieurs, avec les femmes, change juste de pièce. Quand il y a des querelles, change juste de pièce. Il y a des couples qui se querellent pour des choses banales. Monsieur dit, la souris vient de passer. Elle est allée là. La femme dit, non, elle est allée là. Monsieur dit, non, mais c'est là. Eh bien, non, c'est là. Jusqu'à 23h. La souris est même déjà partie. Elle n'est plus secrétaire, elle est à Paris. Et vous allez vous disputer jusqu'à divorcer. Choisis la paix. La Bible dit,
Cherchez la paix avec tous, tant que cela dépend de vous, tant que cela dépend de toi. Même dans l'amitié, choisis la paix. Il y a des conflits qui sont inutiles. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation, des conflits avec ta sœur, avec ton frère, pour l'héritage des parents. Comme Isaac, laisse-lui la parcelle. Va ailleurs. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais parce que tu as Dieu avec toi. Parce que tu as Dieu avec toi, ça ne sert à rien de te battre. Le chemin pour Isaac, de Guérar jusqu'à Beersheba, a été long. C'est peut-être la situation dans laquelle tu es, le chemin par lequel tu vas passer pour avoir du répit, du repos, sera long. Mais c'était nécessaire qu'Isaac passe par Guérar, qu'il passe par Sitna, lieu de dispute, qu'il passe par Essek, qu'il passe par Rehoboth pour qu'il arrive à Beersheba. Pour ceux qui lisent la Bible, j'ai découvert une pépite. Je me dis, mais Dieu, il est fort. C'est comme si on regardait un même film, mais avec deux acteurs principaux différents. Il a fait le même parcours, Isaac, que son père. Dieu l'a fait passer des guerres. Mais pourquoi, Seigneur, tu ne pouvais pas l'amener directement à Beersheba? Les obstacles ne signifient pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait des promesses que tu ne vas pas rencontrer des obstacles. Tu rencontreras parfois des obstacles, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Garde tes valeurs. Amen. Garde tes valeurs. Isaac a gardé ses valeurs. Je parle à toi qui es là, peut-être au travail. Tu rencontres des difficultés, tu n'en peux plus. Tu t'es dit, mais j'ai été bon avec les gens. Je suis fatigué d'être bon avec eux. Je ne fais que du bien aux gens, ils ne me rendent que du mal. La force d'Isaac, c'était de rendre le bien au mal qu'on lui avait fait. Alors le conseil que je veux que tu gardes aujourd'hui, c'est que le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien, même si tout le monde ne le fait pas. Même si tu es seul à faire le bien, garde tes valeurs. Tant que Dieu est avec toi, garde tes valeurs. Bien-aimé, quand tu doutes, n'imagine pas que cela va annuler la fidélité de Dieu. Non, alors garde tes valeurs. Et mon dernier point, lorsque tu gardes tes valeurs, tu es capable de recommencer et de persévérer. Tu es capable de recommencer et de persévérer. À Essek, à Guérar, ce que Isaac a fait, c'était de creuser. Et pour arriver jusqu'à Beersheba, il devait creuser, creuser et creuser encore. Alors je vais dire à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, n'abandonne pas, accepte de recommencer. Même si c'est dans les études, tant que tu sais que Dieu est avec toi, c'est lui qui t'a dit d'être là où tu es. Recommence. 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 Parce que Dieu est avec toi. Alors ne te contente pas du superficiel. Va en profondeur. Peut-être c'est la prière. Il y en a qui ont tellement prié qu'ils sont fatigués. Creuse encore. Viens encore mardi à l'intercession. Viens encore lundi à la maison de parfum. Viens encore dimanche au culte. Prie encore dans les lieux secrets. N'abandonne pas. Parce que Dieu, lui, il ne t'abandonnera pas. Lorsqu'il signe un contrat avec toi, c'est un contrat à vie. Qui n'a pas besoin de signer un CDI? Et avec Dieu, c'est un vrai CDI. Bien payé. Parce qu'il dit que nous sommes héritier des bénédictions qu'il y a en Jésus-Christ. Que les gens te regardent et te minimisent. Ils ne savent pas qui est ton Dieu. Alors recommence. Recommence toi qui as été déçu dans la vie. Toi qui as été déçu dans le mariage. Recommence. Je veux t'encourager. Ne te contente pas de peu.
À Guérar, on attendait qu'Isaac creuse pour que les autres viennent en jouir. Parfois, il y a des gens comme ça, hein, surtout nos enfants. Ils attendent que maman cuisine pour manger et ils te laissent même les assiettes. Mais tant que toi, tu sais ce que tu es en train de faire et qui tu sers, n'abandonne pas. Fais-le. Fais-le. Parce que les enfants comme Isaac s'en souviendront. Ils viendront creuser là où tu avais creusé pour eux. N'abandonne pas. Et je vais encourager aussi quelqu'un, peut-être tu es en train de prier, tu me regardes, ou tu écoutes l'histoire d'Isaac, tu dis, ah, je veux être comme Isaac. Ce n'est pas facile d'incarner ces caractères qu'Isaac avait. C'est des caractères des dieux. La paix, la patience, l'amour, la générosité, le pardon. Il n'y a qu'Isaac pour faire ça. Il semble qu'à Guérar, les puits d'eau n'aient pas une bonne eau. Mais en creusant encore, les serviteurs d'Isaac vont trouver un puits d'eau vive. Bien-aimé, lorsque tu persévères, tu vas gagner quelque chose. Il y a une histoire dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 4 au verset 10. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Mais moi, je vais prendre cette histoire sur un autre angle où je vais vous parler de cette femme qui était constante dans ce qu'elle faisait. La Bible dit... Elle sortait tous les jours à la même heure pour aller puiser de l'eau. Ça a payé un jour, le fait de sortir à la même heure. Le fait que tu es là tous les jours à 9h, tous les jours à 11h, le fait que tu es là tous les jours à 14h, le fait que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas lâché la main de Dieu, ça va payer. Vous savez ce qui va arriver à cette femme? Surprise. Elle savait tous les jours à la même heure, elle y était seule. Mais ces jours-là, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Si tu as besoin de rencontrer cet homme qui t'attend tous les jours, tu as besoin de persévérer. Et c'est Jésus-Christ qu'elle va rencontrer. Et cet homme-là, il ne va pas juste lui donner de l'eau. Il lui dit, l'eau que je vais te donner, elle va étancher ta soif jusque dans l'éternité. Et plus, je ferai de toi une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Alors persévère. Si tu veux que Dieu fasse de toi une source, ne regarde pas aux obstacles. Premièrement, crois dans la fidélité de Dieu. Assure-toi que ce sont les promesses de Dieu que tu as reçues. N'essaie pas de gérer les promesses par toi-même. Garde tes valeurs. Garde tes valeurs. N'oublie pas, hein? Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien, même si tout le monde ne le fait pas. Alors persévère. 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 La plus grande qualité d'Isaac, c'est qu'il a relevé. Que je relève dans ce passage, c'est qu'il était inébranlable. Il a persévéré et il allait jusqu'au bout des choses. Ta persévérance peut te conduire à la source d'eau vive. Père sévère. Père sévère. Je sais que c'est douloureux et tu me poses peut-être la question. Tu la poses là dans ton cœur, tu dis, Joël, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel point je dois persévérer? Je vais te dire, persévère. Jusqu'à ce que tous les Abimelech de ta vie témoignent comme ils ont témoigné à Isaac. Lorsqu'ils sont arrivés à Beersheba, là où Dieu voulait qu'il y ait l'alliance qui soit signée, ils sont là, ils sont tous les ennemis d'Isaac, au même endroit. Moi et toi, on pouvait se dire, maintenant que Dieu m'a envoyé mes ennemis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, hein, je vais les empoisonner. Je les liquide tous d'un coup. Et j'ai raison de les faire parce que j'avais le droit. Ils ont pris ce qui m'appartenait, ce pourquoi j'ai travaillé. Tu es infirmière, la rivale là qui arrive en détresse respiratoire et il n'y a que toi ce soir-là. Ah mais non, je vais me la faire quoi. Non mais là c'est Dieu. Là tu commences même à prier en langue, tu dis Seigneur, je veux recevoir l'onction pour en finir avec mes ennemis. Mais Isaac fait le choix de faire un festin pour ses ennemis. Persévère jusqu'à ce qu'Abimelech dise, Isaac, on a vu. Que Dieu est avec toi.
persévère jusqu'à ce que tes ennemis puissent confirmer que l'Éternel est avec toi. Tu n'as pas besoin de prêcher ni de dire quoi que ce soit. Parce que tu as gardé les valeurs. Ils disent une telle patience, un tel pardon, une telle générosité. Ou à moi qui lui ai fait du mal, elle me donne des cadeaux, elle me bénit. Oh, il n'y a que Dieu. Persévère jusqu'à ce que les Abimelech de ta vie témoignent que c'est Dieu qui agit dans ta vie. N'abandonne pas. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère. Après le sacrifice, il y a de l'eau. Après le sacrifice, il y a de l'eau. Alors je vais prier avec toi qui es là. Peut-être c'est la première fois que tu es là et tu entends ce message. Tu n'as pas encore fait l'alliance avec le Dieu de la promesse. Si tu peux juste lever là et prier pour moi, avec moi, pour commencer une nouvelle marche avec le Dieu de l'Alliance. Dire, Seigneur, je veux expérimenter la puissance de la bénédiction. Je veux te choisir aujourd'hui. Est-ce que tu es là et que tu veux prier avec moi? Lève-toi là où tu es et on va prier ensemble. Choisis le Dieu fidèle. Choisis le Dieu fidèle. Tu as tellement galéré. Et je vais prier avec toi qui n'a pas la force de recommencer. Tu as tellement donné. Et moi, je t'ai dit, comme le pasteur Craig Groschet du Texas qui disait, que les grands leaders, ce sont ceux qui sont constants dans ce qu'ils font. Ils sont différents de ceux qui font une seule chose et ils abandonnent. Pour que tu puisses trouver de l'eau et de l'espace, il faut que tu persévères. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit, l'ami fidèle qui veut te donner la force de recommencer. Toi qui as été déçu dans le mariage, toi qui as été déçu par ta famille, toi qui as été déçu par une relation, tu as investi, tu as tout donné, mais tu n'as rien gagné. Tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. Lève juste les mains avec moi en signe d'abandon. Et on va dire à Dieu, me voici. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Et toi, tu connais le cœur de chacun. Parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Éternel, tu vois cette personne qui veut s'engager pour la première fois avec toi. Elle veut prendre la décision de te choisir comme le meilleur associé, le Dieu fidèle. Elle ouvre son cœur et te laisse entrer comme son Seigneur et son Sauveur. Commence cette marche avec cette personne, Papa, parce que tu es celui dont elle a besoin.
Saint-Esprit, tu vois ces personnes qui ont été déçues, qui pleurent encore ce matin, qui ne peuvent pas s'arrêter de crier vers toi parce qu'ils ont été déçus, déçus par la vie. Et parfois, ils se disent, j'ai été déçu par Dieu parce que je pensais qu'il était avec moi, mais j'ai touché le fond. Seigneur, c'est ces personnes que tu veux relever. La Bible dit, tu tires du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Tu les vois, ces mains qui sont levées. Viens nous tenir les mains, Saint-Esprit, afin qu'on puisse persévérer jusqu'à ce que le monde témoignera que nous sommes les enfants de Dieu, que Dieu est avec nous, qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, amen. N'abandonne pas. Si dans ton cœur est persévère. Persévère. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit la chose arrive, quand il l'ordonne, elle existe. Son regard s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Vous pouvez vous installer et reprendre place quelques instants. Vous savez, dans ce pays magnifique d'Israël, où l'eau est si précieuse, il y a un puits géant, un puits incroyable, qui est une mer intérieure. Et cette mer, elle est morte, pourquoi ? Parce que c'est la seule mer du monde qui reçoit mais ne donne rien. Un des secrets, et c'est pour ça que je voudrais m'adresser à toi qui regardes ce message ou à quelqu'un en salle, si vous voulez l'eau vive, vous la recevrez, mais c'est quand vous la donnerez qu'elle restera en vie. Sinon, la meilleure des eaux vives que vous gardez que pour vous finira par mourir. C'est pour ça que Jésus a dit, donnez-leur vous-même ce que je vous ai donné. Il y a quelque temps, je vous ai fait une annonce un peu spéciale. Je vous ai dit qu'il y a une révolution en cours parce qu'il y a une génération qui risquerait d'être sacrifiée. C'est la génération des collégiens et des lycéens. C'est là où énormément de nos jeunes y perdent la foi. Parce qu'en fait, l'Église n'est pas pour eux le refuge, la protection et l'enthousiasme dont ils ont besoin pour leur vie. Alors il y a quelques semaines, je vous ai dit qu'une révolution était en cours et il y a toute une équipe qu'on est en train de former pour MLK Collège et MLK Lycée.
Si quelqu'un a envie de servir les jeunes dans MLK Collège, MLK Lycée, sans tarder, passez au stand tout à l'heure d'MLK Collège, MLK Lycée. On recrute parce que samedi prochain, et je vous donne rendez-vous si vous avez envie de servir la jeunesse, samedi prochain à 14h, il y a une réunion extrêmement importante. Et là maintenant, je m'adresse à tous les parents d'un collégien ou d'un lycéen. Je vous donne rendez-vous le premier samedi de chaque mois. Le premier samedi de chaque mois avec votre collégien, avec votre lycéen. Et il y aura une célébration spéciale collège-lycée à chaque fois. Okay ? Super important. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Une petite autre information. Alors que ceux qui sont en ligne, vous êtes peut-être frustrés. Vous dites, moi je voudrais servir, mais je ne peux pas servir. Si tu peux servir dans MLK Ambassade, parce que c'est près de chez toi. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez également dire, je ne peux pas donner de mon temps, mais je peux donner de mon argent. Jeveuxdonner.fr. C'est une façon de soutenir l'MLK qui est une église qui vous fait du bien et qui vous nourrit spirituellement par ses contenus. Vous n'avez pas apprécié ce que le pasteur Joël a présenté aujourd'hui ? Hey, y a de la beauté dans la diversité. Hein ? C'est ma jumelle, Joël. On a la même couleur de peau à l'intérieur. Elle a les mêmes blagues que moi. Moi, j'ai eu du mal à comprendre la blague de la souris là tout à l'heure. J'ai dit, mais vous avez plus de souris en Afrique que moi j'en ai à Créteil. Mais peut-être que non, en fait, ça change. Le monde, il est beau lorsqu'on se rassemble et qu'on sert ensemble. C'est ça, MLK. Venez, on a besoin de vous dans tous les services en bas. Aujourd'hui, si vous êtes en présentiel, vous descendez, il y a un méga forum. Traînez 10 minutes de plus. Reprenez votre enfant avec vous, hein, parce que sinon ça va bugger aux églises des enfants. Et vous allez visiter, vous avez tous les services qui sont présentés, c'est en bas. Et toi en ligne, aide-nous financièrement aussi. Merci pour ce que vous faites. Si quelqu'un a besoin de la prière, parce qu'il dit, il y a des puits là qui doivent reprendre vie en moi. On va prier avec toi sur le devant. Et vous pouvez également aller prier sur prière@eglisemlk.fr. Est-ce que c'est pas beau de servir Dieu ? Et Dieu dit sur ta vie, je serai avec toi tous les jours. Je serai à ta droite, je serai à ta gauche, je serai au-dessus de toi, je serai en dessous de toi. L'Éternel marche avec toi. Quand tu lui confies ta vie, il te tient la main même dans les moments difficiles. Est-ce que quelqu'un veut juste louer en terminant ce temps ? Dis à ton voisin, ta voisine, ma louange va exploser l'écran, elle va exploser le plafond. On a terminé en étant reconnaissant, on a commencé en étant reconnaissant, on va finir en étant reconnaissant. Merci à Dieu. Vivons ensemble. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Wow. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci à Dieu. On y va. Nous avons la victoire. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es. Ensemble, bien fort. On va lui dire merci à Dieu. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu. Il a pris nous sommes vainqueurs. Wow. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Bien fort là. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui te fait triompher. Toujours en son nom. Tu peux chanter haut, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus?
crois que tu as la victoire. Tu peux lancer un cri de joie vers lui. Celui qui nous fait triompher toujours. Quand je dis oh 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 oh, en toutes circonstances je chante oh oh oh. Dès lundi jusqu'à dimanche je vais chanter oh oh oh. En toute saison je prie le nom de t'a parlé, clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.